L'euro dollar, le voilà, l'euro dollar est ici, donc ce qui veut dire que là pour le moment, l'euro perce par rapport au dollar. On est en train de s'échapper de la zone effectivement du prix moyen et des trois POC qui sont ici. Est-ce qu'on peut voir un peu plus d'histoire? Parce que là on ne voit que le dernier bottom qui est intéressant. Alors là par contre, zone complètement d'interrogation. Hein. Selon effectivement le bottom qui est ici, j'aimerais vous dire qu'il y a une possibilité très réduite de monter, qui va être dans le cadre d'un emmerdement généralisé, puisqu'on est bloqué par au moins 5 ou 6 POC ici. Pas évident. À observer si ça monte, effectivement, mais ça ne montera pas de beaucoup, et c'est pas lui qui donnera du potentiel. Au final, c'est le l'USD qui pourrait, pour le moment, effectivement, tenter de remonter grâce au POC. Attention à l'euro qui pourrait descendre et toutes les autres valeurs en contrepartie. Ce qui nous intéresse surtout, c'est si l'USD descend, les indices pourraient monter un petit peu cet après-midi. Take care, choose and enjoy. Restez avec nous.